toi, tu mérites de mourir. Bah ouais, t'as pas de pouvoir. Alors crève. Eh ouais, c'est comme ça que ça se passe ici. Et plus t'as de pouvoir magique, plus t'es reconnu socialement. Et dans ce monde particulier, t'as Mash, un gamin sans pouvoir qu'aurait dû être tué à la naissance. Heureusement, son père adoptif a réussi à le protéger. Mais il a beau être balèze physiquement parlant, Mash va voir son secret sur le point d'être révélé. Il n'a plus qu'une issue, intégrer Easton, une école de magie, et devenir l'un des élus divins, autrement dit, le top du top des élèves. Mashal, c'est un des potentiels mangas à succès du célèbre Shonen Jump. Datant seulement de janvier 2020, la première série de Komoto Hajime fonctionne pas mal du tout au Japon. En France, c'est Kaze qui s'occupe de l'édition à raison d'un volume tous les deux mois, si tout se passe bien. Et pour débuter, t'auras même le tome 1 et 2 en vente directos. Qu'est-ce que ça donnerait une espèce d'Harry Potter en mode shonen neketsu? Ben, Mashal. Avec de l'humour à gogo et un scénar qui dépote, Mashal fait pas dans la dentelle. Attention cependant, car les fortes ressemblances avec l'œuvre de J.K. Rowling font de ce titre un hybride un peu bâtard. Ben ouais, entre la parodie, l'hommage et le plagiat, il n'y a qu'un pas et, pour le moment, Mashal a du mal à se positionner. Maintenant, il y a fort à parier que Mashal réussira à trouver sa propre identité et que, d'ici quelques volumes, ce manga fera parler toute sa magie. La note de Manga News, 13,5 sur 20. Et si t'as kiffé la lecture de Mashal, je ne saurais que trop te conseiller Harry Potter, One Punch Man, L'Atelier des Sorciers. Désolé d'avoir dit que tu devais crever au début de la vidéo. Bah, tu sais, j'ai pas vraiment de pouvoir non plus. À part peut-être celui de te faire t'abonner, liker, commenter, partager. Et encore, même pas sûr que ça marche. En tout cas, je compte sur toi. Et surtout, continue de suivre la voie du manga.